le lancement de cette saison de Betclic Elite. Retardé, voilà, le voici. Faux départ. Thomas Corneli qui essaie de poser les premiers systèmes. La pénétration intérieure tout en puissance. Landry Noko, le pivot camerounais. Milan Barbic, dont on attend énormément avec tout de suite la vivacité. Voilà, vous l'avez vu, ça va être une démarque de fabrique de la Diablois. La première pénétration intérieure, ballon récupéré par Thomas Corneli. C'est le championnat de France avec Nanterre, Rouen ou encore Boulazac. Troisième scoreur du championnat avec Rouen lors de son passage. Ça continue pour Gravelines Dunkerque. Thomas Corneli qui fait du mal au sien pour le moment. Allez, débloquer le compteur. Peut-être Milan Barbic sur cette pénétration intérieure. Le petit lay-up. Voilà qui. C'est lui aussi. Hein. On attend beaucoup. Une sorte de renaissance pour Blois. Ouais, ça va un petit peu trop facilement et il est venu écraser le cercle avec Barbic. Ryan Brown qui cherchait Traoré. On a vu Brice Dessert qui a fait son apparition sur le parquet pour la Diablois. Le premier shoot ouvert à 3 points. Voilà qui va réveiller la salle du jeu de pomme. C'est l'œuvre de Robert Woodward. Corneli. Ouais, il dure ce ballon, mais il s'en sort avec un petit peu de réussite, Landry Noko. Ouais, toujours pas de changement pour Laurent Leniam. On fait confiance au même 5 et ça continue de bien marcher. En remplacement de Vavessa Fofana, ballon intercepté par Tobin Carberry qui essaye de mettre du rythme. Voilà qui est fait avec le dunk rageur juste derrière de Robert Woodward. Ah, il est dans son match, Robert Woodward, avec ce 3 points. Permet un petit peu de combler l'écart. Plus 5 pour Gravelines Dunkerque. Et derrière, ça continue de faire ficelle pour l'instant. Les joueurs du BCM très adroits. Bien fait, tout en puissance, il a su imposer son physique. La Roca Team, ça c'est bien fait pour trouver
dans la peinture son partenaire, mais malheureusement le finish n'y est pas. Et derrière, on est là malgré le contest. Lauren Jackson qui fait tourner le chrono. 7 secondes sur la possession. Jackson. Ouais, forcément il va le jouer. Lauren Jackson, il est en train. Peut-être une deuxième chance pour Lauren Jackson. En train de prendre le match à sa main, le natif de Chicago pour la passe D. Et derrière, on vient. Allez, ça rentre avec la ficelle, s'il vous plaît. Lauren Jackson qui va jouer, qui va profiter de sa vitesse. Et nouvel contre avec un deuxième rebond offensif. Est-ce que ce ballon va faire tourner le chrono? 7 secondes dans la possession avec Thomas Cornelli qui est allé trouver dans le corner son partenaire. Il va retrouver Thomas Dieu-Courtois. Ouais, c'est bien fait sur l'extérieur dans le corner pour venir retrouver Timothée Vergia de l'ASVEL Villeurbanne samedi à 21h. Là aussi, ça sera sur Squeak. C'est ici que ça se passe. Timothée Vergia. Oh, il est on fire! Timothée Vergia. Il fait ce qu'il veut. Et un cœur Robert Woodward est toujours au repos. L'interception de Milan Barbic. Derrière, il n'a pas pu conclure en montant au cercle. On va se retrouver en supériorité numérique avec dans le corner, j'ai nommé Johnny Beranovesquel, l'arrière canadien. Sang-froid de Johnny Beranovesquel. Milan Barbic qui doit s'en vouloir d'avoir loupé cette opportunité. Et derrière, nouveau ballon perdu. En attaque. Voilà les tenants de cette possession avec Lauren Jackson. Pour trouver un joueur démarqué. Et encore une fois. Et encore une fois. Vergia avec 3 secondes. Il va falloir shooter. Il est ouvert. Ce shoot, il est devant. Armel Traoré, la réponse. Deng deng, Armel Traoré. Là aussi, comme Milan Barbic, attendu dans les grands espoirs de cette Betclic Elite. L'ancien de Monaco, débreux champion d'Europe, des moins de 20 ans. Et encore une fois, Jackson. Ouais, c'est bien fait. C'est très très bien fait. Fofana qui fait sauter. Et on va retrouver Beranes Mekiel. Ouais, arrêtez-le. Donc on va commencer à forger, à souder un collectif, à souder un groupe. On retrouve de... Milan Barbic, ouais, c'est osé. C'est osé, mais c'est dedans. Barbic qui n'a pas bronché. Et ballon intercepté, encore une fois. Voici Beranes Mekiel. Le petit cross. Ouais, pour trouver un partenaire derrière qui est contré. Cornelli, ouais, ballon intercepté. Woodward. Ils n'ont pas voulu temporiser. Et derrière, il est venu arracher le cercle. Il cherche une solution, poser le système. Tobin Carberry, obligé d'y aller tout seul. Avec de la réussite, Tobin Carberry. Important, ces 2 points. Et ballon dans les mains de Tobin Carberry et de la Diablois. Et la salle du jeu de pommes qui se lève. Carberry qui fait danser son adversaire. Tobin Carberry. Il n'a pas osé. Préfère monter au cercle. Et derrière, ça ne veut pas, toujours pas. Allez, la petite papate de Landry Ennoko pour venir ajouter 2 points. L'arbitre avait sifflé. Est-ce que ce panier va être accordé? De seconde 5, la victoire de l'ADA Blois qui va être entérinée dans quelques instants. Et c'est une entame réussie pour les Blaisois, les joueurs du Loir-et-Cher, les hommes de Mickaël et... qui s'impose 80 à 73 dans cette...